Guillaume Declerc, bonjour. Vous êtes tailleur de pierre. Vous pouvez m'expliquer votre métier ? Alors, mon métier consiste principalement à la rénovation de monuments, tels que églises, châteaux, mais aussi des maisons particulières. Puis, moi, je fais pas mal aussi de création de mobilier, c'est-à-dire telles que fontaines, cheminées, barbecues. En fait, tout est possible en pierre, donc je travaille surtout sur commande, suivant ce que les clients demandent. Les outils que vous utilisez, vous pouvez un peu me les nommer ? Alors, cet outil-là, c'est le taillant. Il sert à quoi ? Ça sert à dégrossir les pierres, en fait, à dégrossir les faces, dresser les faces des pierres. Ensuite, on a les ciseaux à pierre. On s'en sert pour repasser après taillant pour finir un peu. Parce qu'en fait, la pierre, c'est en fait pour approcher au fur et à mesure le trait, de plus en plus fin, quoi. Et on finit avec ceci, quoi, avec un chemin de fer. C'est ce qui rend les pierres toutes lisses ? Voilà, c'est ce qui rend les pierres, cet aspect-là, bien lisses, quoi. Vous avez appris votre métier où ? J'ai fait mon apprentissage chez les compagnons. Et ensuite, selon mes années d'expérience, sur divers chantiers. Les compagnons, où ça ? Sur Angers. D'accord. Ce sont des compagnons dans la tradition des confréries ? Oui, c'est les compagnons du devoir. Ouais. Ça vous a pris longtemps ? Bah, j'ai fait 2 ans d'apprentissage et après c'est un apprentissage on va dire personnel en voyageant un peu, en changeant d'entreprise de différentes régions pour apprendre différentes pierres. Donc vous avez fait le Tour de France ? Bah, je ne l'ai pas fait avec le compagnon, en fait je l'ai fait tout seul le Tour de France. Je ne l'ai pas fait en appartenant au compagnon, j'ai juste fait l'apprentissage. Aïe, c'est froid. D'accord. Il y a d'autres outils particuliers là que je vois sur votre établi ? Après vous avez les chemins de fer, il y a différentes tailles, quoi. Les chemins de fer c'est différentes formes, différentes taille pour toutes les moulures différentes. En fait, vous allez en avoir des ronds, vous allez en avoir qui vont être cintrés, vous allez en avoir avec des dents pour dégrossir. Ce qui va vous permettre de faire des moulures dans la pierre ? Faire des moulures, faire les finitions des moulures. Ouais. On dégrossit tout d'abord les moulures au ciseau avec des ciseaux plats, avec ce qu'on appelle des gouges en fait, pour faire les creux, pour faire les ronds. Quoi. C'est beaucoup d'outillage. Chaque moulure a son outil qui va. Quoi. Il faut beaucoup de patience pour faire un tel métier. Oui, de la patience surtout. C'est un métier où il faut être très patient. D'accord. Vous avez quel âge, monsieur Declerc ? Moi, j'ai 27 ans. Et il y a longtemps, vous pratiquez le... J'ai commencé à 15 ans. Ouh. Donc ça fait 12 ans. L'idée vous en est venue comment ? Par hasard, sur une foire au métier où j'ai découvert, j'ai vu un tailleur de pierre travailler, et ça m'a plu, j'ai dit tiens, c'est ça que je veux faire plus tard. Et bah depuis, j'ai pas lâché le morceau, c'est ce que je fais. Vous diriez quoi à un jeune qui s'intéressera à votre métier ? Qu'il faut être patient. Même si au début ça peut paraître très dur, avec le temps ça vient tout seul, il suffit de persévérer. Et si l'on veut vous contacter ? Alors, moi je suis de Sainte-Catherine de Fierbois dans le 37. Et mon numéro de téléphone est le 02 34 37 18 37. Merci, monsieur Declerc. Au revoir. Ouais.